qui me fait rire? Ben, vraiment, il y a. Tu sais, l'humour, genre, absurde, mais tu sais, en même temps, intelligent, tu sais, pas juste genre n'importe quoi pour être n'importe quoi, mais tu sais, que. Tu sais, j'ai un peu comme genre Monty Python ou A Bit of Fry and Laurie, là. Ces choses-là. C'est drôle. Puis après ça, j'aime ça. Ce qui me fait rire, c'est. Tu sais, quand tu trouves. Tu prends quelque chose que t'aimais vraiment, vraiment beaucoup quand t'étais plus jeune. Puis tu sais, mettons un album de musique que t'as écouté genre ad nauseam, là. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas. Pour... que t'écoutais, tu sais, vraiment tout le temps. Puis là, tu le réécoutes genre quelques années plus tard. Tu sais, tu te rends compte qu'à l'époque c'était genre vraiment pas bon, là. Parce que moi, ça me fait toujours rire, genre, de voir à quel point, genre, j'étais vraiment. Puis maintenant, accro. C'est ça, vraiment accro. Puis que là, à ce temps, c'est juste. Oui, ouais. Puis, puis aussi, sur cette traînée-là, ce qui me fait rire, c'est de trouver genre des vieux dessins ou des vieux genre des vieilles histoires que j'écrivais ou que je dessinais quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, j'étais vraiment sûre que c'était. Tu sais, j'étais certaine que c'était vraiment beau, que c'était des vraies œuvres d'art. Mais, tu sais, finalement, c'était vraiment laide, là. C'était vraiment pas bon, puis que ça me fait rire de relire, ouais. Voilà. Puis, ça me fait rire d'être avec Laurie. Oh! Ben, il y a mes amis, parce qu'en général, j'aime me tenir avec des gens qui ont le sens de l'humour. Comme moi? Oui, comme toi. Oh, 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 oh. Il y a aussi mon père, parce que mon père, il est vraiment absurde. C'est vrai. Il ressemble un peu à Mr. Bean. par exemple, un exemple que je pourrais donner. Il a essayé d'attaquer une de mes amies avec une tasse qui tenait comme ça en prétendant que c'était un fusil laser. Qu'est-ce que mon père a pu faire? En tout cas, il fait beaucoup de conneries, mais que je trouve vraiment drôle. Puis que j'ose pas lui dire que je le trouve drôle. Ben, il va le savoir maintenant. Ouais, maintenant il va le savoir. Moi aussi, je le trouve drôle. Merci, je lui dirai. D'accord. Ce qui me fait rire aussi, c'est les insultes intelligentes. Les répliques un peu à la Winston Churchill ou... au style court du Roi Soleil. Je sais pas, je trouve que c'est drôle. L'ironie. J'adore les choses ironiques. Ça me fait vraiment rire. Sinon, en dehors de ça, j'aime pas rire. Mensonge! T'es pas capable de dire ça sans rire. Je suis même pas capable de dire sans rire. Sinon, c'est à peu près tout. Là. Je dirais que je ris quand même beaucoup. Surtout quand je suis là, hein? Oui, surtout quand Marianne est là. On dirait tellement que je t'ai payée pour dire ça. Plein de choses. Mais premièrement, il faut que je vous parle de mon sac. Parce qu'il est beau. C'est écrit « Le beau est toujours bizarre » dessus. C'est un sac Baudelaire. Il est beau. Baudelaire. Hein? Donc, je l'ai vidé parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Donc, pour commencer, j'ai mes clés. Bon, en fait, j'ai juste une clé, puis j'en ai d'autres pour faire de la décoration. Juste pour pas avoir l'air de la fille qui a juste une clé. C'est genre des clés de vélo, puis des clés de cadenas à ski. Parce qu'on sait tous que tu skis. Ben oui. Pas tout le temps. Voilà. J'ai deux cadenas que j'ai pas ramenés chez moi après l'école, à la fin de l'école. Donc, ça fait juste du poids dans mon sac. J'ai... 3 paires de lunettes. J'ai des lunettes soleil, des lunettes 3D, puis mes anciennes lunettes toutes sales. Donc, 3 paires de lunettes. Ensuite, j'ai 2 cuillères sales. J'ai mangé des pêches avec. Ouh, les deux fois. C'était bon? Oui. J'ai de la crème solaire. Parce que je pars... Oui, c'est parce que je pars tout le temps en retard de chez moi, genre quand je vais prendre l'autobus, là, parce que j'ai tendance à manquer l'autobus dans la vie. Fait que j'ai amené de la crème solaire avec moi, fait comme ça, quand le début ça arrive pas, ben comme ça, hein? C'est pas méthodique tout ça, j'ai du déo. Tu devrais faire breveter cette idée. Je sais, j'ai du déo pour la même raison. C'est vrai. J'ai le cellulaire à ma soeur, mais qui est à moi maintenant. J'ai la clé de l'auto de mes parents. Mais c'est genre la clé poche, qui a pas genre de trucs pour barrer les portes, c'est la clé genre valet. Fait que je suis juste le valet de la famille. Oh, pauvre petit. Ouais. J'ai mon iPod, mais plus important encore, j'ai des écouteurs roses. Est-ce qu'on voit qu'ils sont roses? Parce qu'ils sont roses, oui. Vraiment. Ils sont roses. Ensuite, oui, j'ai un gros paquet d'élastiques comme ça.
Parce que là, ça paraît peut-être pas comme ça, mais j'ai vraiment atrocement beaucoup de cheveux. Puis les élastiques, ça me pète d'entendre dans le temps de le dire, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Donc j'ai ma réserve d'élastiques. J'ai un paquet de bob épines parce que hein, les filles, on sait que ça, qu'on perd ça genre tout le temps. J'ai des écouteurs qui marchent plus. Moi, ma centième paire d'écouteurs qui marchent plus. J'ai de la gomme toute fondue. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans le fond de mon sac. Mais j'en ai mangé hier, elle est encore bonne. J'ai ça, ça appartient à Maud. J'y ai pas redonné, Maud, je m'excuse. Je vais te redonner un jour. Mais je pense pas que c'est notre âme de pain. J'ai le vieil homme et la mère, que j'ai presque fini. Il reste ça. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon. Et j'ai mon portefeuille. Moi, j'ai mon iPod avec un super bel étui. Il est tellement beau. Attends, je vais faire un zoom. Voyons, lui. Tadam! Que magnifique. J'ai acheté récemment. Que tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Wow! Je ne l'ai pas volé. Félicitations. J'ai ceci. Je sais pas si on le voit. Zoom, zoom, zoom. Oui. C'est un étui à cartes qui vient directement du Japon, que mon parrain m'a ramené, et je mets des cartes dedans. Vraiment? Oui. Tu me surprends. J'ai un bloc-notes. Toujours utile. J'ai des clés, et moi c'est des vraies clés. Qui ouvrent des vrais pinceaux. En fait, je sais même pas c'est la clé de quoi, ça. Mais je sais qu'il est utile, mais je sais pas à quoi. Un jour, on le saura. J'ai un porte-clés en tête de cheval. Et j'ai six biscuits. Wow! Le petit chéri de l'Amérique. Il y a pas... j'ai trois clés, en fait, que je sais pas à quoi elles servent, mais je sais qu'elles sont utiles puis que tu vas les garder. J'ai un parapluie. Oui, j'ai ça dans mon sac à main. Oui. Il pleut des fois. J'ai du gloss. Voilà. Ouh là là! J'ai Les Misérables, le premier tome de Victor Hugo. Je suis un peu déçue. Je préférais Notre-Dame de Paris. Pensais que t'allais dire, je préférais la comédie musicale. J'ai une rose en tissu que ma cousine m'a faite. En quel honneur? Pour mon bal de finissant. Qui était l'an passé, mais que je traîne toujours dans ma sacoche. J'ai un paquet de gomme, pas fondu. Intact. Celui-là. Ouais. J'ai mon porte-clés. Portefeuille. Mon portefeuille. Donc, il est charmant. Il est bien rempli. De factures et non pas d'argent. J'ai ça ici, je vais pas vous le montrer de face parce qu'il y a le nom de la compagnie, mais c'est mon tag que je porte pour travailler. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Il est marqué Laurie. Ah oui? Et le nom de la compagnie pour laquelle je travaille, mais je peux pas vous le montrer. C'est une compagnie secrète. J'ai la brosse à dents de mon chien et je n'ai aucune idée du pourquoi je traîne la brosse à dents de mon chien dans mon sac à main. Je vois pas quand est-ce que j'ai pu sentir l'urgence d'amener ceci avec moi, mais je l'ai au cas où. On sait jamais. Et le pire du pire, c'est il y a eu une canicule à Québec les deux dernières semaines. Ça a commencé cette semaine à se rafraîchir. Et j'avais un paquet de gomme. Et les gommes sont tombées du paquet et sont allées dans le fond de mon sac à main. Résultat, toutes les gommes ont fondu dans le fond de mon sac à main sur ce cadenas. Et là, il faut que je vous montre ce que ça donne parce qu'il y a des papiers de gomme qui se sont collés après puis toutes sortes de dégueulasseries. Ça se dit pas, hein? Toutes sortes de choses dégoûtantes. Ta-ta-ta! C'est dégueulasse! C'est dégoûtant! Mea culpa, mea maxima culpa. C'est vraiment dégueulasse. Je m'excuse. Dégueulasse. Tu me dégoûtes. Sinon, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on peut voir ton sac? Mon sac, oui. Il est pas mal ordinaire. C'est passe-partout. C'est passe-partout. Voilà. C'est comme moi. Sinon, j'ai un sac aussi, comme lui de Marianne, avec une citation d'Oscar Wilde. Ooh. Pas négligeable. Non. Et c'est tout.